Christophe Angou, chef d'orchestre, qui a la chance de faire partie du projet Demos, particulièrement donc à Toulouse, pour la deuxième fois, puisque nous avons terminé un premier groupe qui a fait trois ans d'expérience de musique et d'orchestre. Et là, donc, on a commencé depuis septembre dernier avec ce deuxième groupe. C'est incroyable parce que moi, les enfants, je les ai rencontrés qu'une seule fois pendant les vacances de Toussaint dernier, pendant 2 jours. Et là, je les retrouve après qu'ils aient travaillé chaque semaine en atelier, etc. Ils ont choisi tout récemment leur instrument. Depuis que je suis petit, je voulais faire un instrument, mais au niveau financier, ce n'était pas possible. Du coup, quand ma mère elle m'a dit que j'étais choisie pour Demos pour 3 ans de musique, j'étais très content. Il y a un morceau qui est déjà prêt. On se demande un petit peu s'il ne va pas falloir qu'on rajoute un morceau pour cette année, pour le concert de juin, parce que les enfants avancent à vitesse grand V. Il y a une énergie, il y a une concentration assez phénoménale. Je faisais partie du premier dispositif Demos et ça a donné envie à ma sœur. Je viens de Muret et j'ai choisi un violoncelle. J'ai choisi en première la flûte parce que j'aimais bien le son. Je trouvais qu'aujourd'hui c'était super bien de pouvoir donner de nouveaux instruments à des nouveaux élèves de Demos. C'est un échange, on va dire, d'énergie, un échange de, voilà, autour de toute cette aventure musicale, artistique et sociale évidemment, et humaine. Donc, voilà.